Yo les potes, c'est Jeux Gaming, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas les gars, ça va nickel. Du coup aujourd'hui les gars, on va parler, on va faire une vidéo un peu différente pour vous parler comme quoi des, on va dire, meilleurs spawns de cette nouvelle saison qui sont insane et qui sont incroyables. Les spawns à faire pendant du coup la nouvelle saison de Fortnite. Du coup, on va parler du coup premier spawn. Moi, mon spawn en solo, c'est ici. Là, vous voyez, là où il y a le bot, mais c'est ici, vous spawnez ici. Et en fait, on est sur le site fortnite.gg. Si vous voulez, vous pouvez le faire aussi. Vous mettrez le lien en description. Du coup, regardez. Là, on peut avoir jusqu'à. Bon, ils mettent 3 coffres parce que ça n'a pas été mis à jour. Mais on peut avoir jusqu'à 4 coffres parce qu'il y en a un en haut, un middle et deux en bas. Du coup, on peut aller jusqu'à 4 coffres. Vous avez le bot. Donc, vous faites une quête. La quête, c'est détruire des trucs. Donc, hop, ça vous fait des lingots. Vous sortez de ce spawn, vous avez à peu près 191 lingots. Donc, ce qui est très très bien. Après, vous faites une petite rota sur les cailloux ici. Et ce que vous faites, après, vous cassez le camion qui est là. Vous prenez des engrenages, vous pouvez casser les voitures ici. Vous faites une petite rota ici et ici. Et après, vous pouvez, par exemple, aller voir la botte panacée parce que du coup, elle l'améliore. Elle améliore vos armes, du coup, pour les lingots. Donc, pour les améliorations d'armes, c'est 25 pour passer d'une arme grise à verte, 50 d'une arme verte à bleue et... De bleu à violet, c'est 145. Du coup, voilà, vous pouvez aller directement ici. Vous spawnez là, vous faites vos petites retards et vous allez là. Après, deuxième zone aussi qui est pas mal cette saison, c'est ici. Donc ici, vous avez un coffre là, un coffre ici. Vous avez le bot toujours qui améliore. Et après, vous pouvez retard par exemple ici. Parce que du coup, il y a les nouveaux coffres, du coup, les coffres blindés. Vous avez un coffre là, et un coffre là. Donc ici, ce spawn est très très bien. Vous pouvez aller auprès, retard par ici, pour du coup faire les quêtes de Poiscaille. Et il y a trois coffres ici aussi. Donc ici, c'est un très très bon spawn du coup en solo, les gars. Après, du coup, en autre spawn en solo, on a du coup la discothèque. La discothèque, parce que pourquoi? Parce que du coup, les défis du coup de la guitariste sont très faciles. Donc vous pouvez gagner énormément de lingots. Donc ce que vous pouvez faire, vous fouillez ici, et après vous faites une petite rota par là, vous passez ici pour récupérer le coffre, vous remontez par là, vous prenez ce coffre là, et après vous allez du coup vers la cartoucheuse, parce que du coup c'est une botte qui améliore, avec tous les lingots que vous aurez fouillés dans les coffres, et avec les défis du coup de la guitariste, vous allez là vous améliorer, et en plus cette personne... Et en plus, vous pouvez acheter un space 12 pour 132 gold. Un space 12 gold directement avec 130 lingots. Donc, c'est très très bien. Vous achetez votre space 12, vous pouvez améliorer votre AR. Et après, la craft avec les pièces mécaniques, du coup, en scar. Et du coup, dernier spawn, du coup, qui est bien cette saison, c'est ce spawn-là. Il y a énormément de coffres. Il y a le bot qui améliore ici. Vous avez un coffre là, trois coffres là, quatre coffres là. Un coffre là, ici, 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 ici. Et en plus, ici, vous avez... Les nouveaux coffres, les coffres blindés. Donc ce spawn est très très bien en solo ou en trio. Même en trio, il est très très bien. Il y en a un qui spawn là, un qui spawn là, un qui spawn ici. Ou si même vous êtes comtesse, il y en a un qui spawn là, un qui spawn là. Franchement, pour des spawns solo, même trio ou duo, c'est très très bien. Ce spawn là, on va dire en solo, c'est bien. Ce spawn là en solo, c'est bien. Ce spawn là, je vous le conseille par exemple en solo ou en duo. Trio, ça va être compliqué. Il y aura peut-être pas assez de stuff pour 3, mais en solo et duo, je vous le conseille. Et ce spawn là, ben, solo, duo aussi, vous pouvez le faire. Il y en a un qui spawn là, un qui spawn là, il y en a un qui va chercher le coffre. Et du coup, solo, duo, ça peut le faire. Mais après, seul vrai spawn en trio, s'il y a ce spawn là qui est très très cheaté. De toute façon, tous les bots qui améliorent sont très très bien du coup pour cette nouvelle saison. Et des bots qui améliorent, les gars, il y a celui-là ici, du coup, à Craigieglyph, un à Pleasant Park. Un du coup ici là où je vous ai montré ici comme l'ancien Flash Factory et du coup l'île TK du coup qui est ici. Donc franchement ce spawn est vachement bien et très 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 bien. Donc voilà les gars, c'était une petite vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez par exemple qu'on analyse des spawns etc. N'hésitez pas et n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur mes réseaux sociaux qui sont tous en description. Twitch, YouTube, TikTok, etc. etc. Ça fait ultra plaisir les gars. Et dites-moi du coup si ce concept de vidéo vous a plu et si vous avez aimé. Donc n'hésitez pas à m'en faire part du coup dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir. Du coup les gars, moi je vous dis ciao ciao. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Jeux Gaming. Peace.